Bonjour, eh bien Jean-François est en vacances, mais il ne nous oublie pas, il vient de nous envoyer un mail nous informant de ses dernières réflexions. C'est Philippe Tixier, qui fait partie de l'équipe fondatrice de FCP Montpellier, qui le remplacera aujourd'hui. Alors depuis notre dernier rendez-vous, élection présidentielle a eu lieu, il n'y a pas eu de surprise et la bourse n'a guère réagi à l'événement. Elle était beaucoup plus absorbée par la situation européenne, notamment en Espagne et surtout en Grèce. En Grèce, où la situation politique est toujours bloquée, pas d'entente possible. Il y aura donc de nouvelles élections le 17 juin. On se dirige tout droit vers une victoire des partis politiques opposés à la rigueur imposée par la Troïka, zone euro, BCE et FMI. Comme le dit Jean-François, ne nous cachons pas la face, la sortie de la Grèce de la zone euro est plus possible qu'elle ne l'a jamais été. Attention aux réactions, on comprend que le marché soit traumatisé, d'autant que la pression monte maintenant en Espagne. Nouvelle dégradation de 16 banques espagnoles, c'est le système européen qui est mis à mal une nouvelle fois. En ce qui concerne la situation macroéconomique internationale, en Europe, en France notamment, le PIB stagne et la périphérie de la zone euro devrait rester en récession. Aux États-Unis, c'est mieux, mais la croissance reste quand même très très lente. Les émergents, ce sont les meilleurs, mais enfin on est quand même moins euphorique que l'an dernier et la vitesse de croisière reste quand même très enviable. Tout cela fait que la croissance mondiale est toujours positive, mais moins rapide qu'espérée. C'est peut-être ce qui explique moins de croissance, moins de consommation d'énergie, c'est peut-être ce qui explique la baisse de quelques 10 à 15% du prix du pétrole brut en un mois et demi. À près de 92 dollars le baril aux États-Unis, le pétrole reste cher, mais la conséquence de sa baisse n'a été que modestement ressentie en Europe, en raison, en même temps, de la baisse de l'euro. Baisse de l'euro provoquée, bien sûr, par les déboires de l'Europe. Alors, beaucoup d'opérateurs voient l'euro baisser encore, et ce ne serait pas catastrophique, en fait, parce qu'à 1,27 $ pour 1 euro, il est encore bien au-dessus de sa parité par rapport au pouvoir d'achat. Pour être large, on peut la donner entre 1,10 et 1,15 $ pour 1 euro. Donc un retour vers cette parité ne peut que favoriser les exportations européennes et donc devenir un moteur pour un retour à la croissance tant espérée. Philippe, revenons à l'élection de François Hollande. A-t-elle eu un impact sur le CAC 40? Comme vous le disiez en introduction, non, au nom du principe d'incertitude très fort en bourse. D'abord parce qu'une élection lève les doutes, on connaît le pilote. Il y a un pilote au navire France. Et puis, deuxièmement, parce que on se connaissait un petit peu le résultat. Le CAC 40 a même symboliquement progressé au lendemain des élections. Ce n'est pas le cas pour l'élection législative grecque, puisque le pays se recherche toujours un gouvernement et l'indice de la bourse d'Athènes a chuté au lendemain des élections de plus de 6%. 6% à Athènes de baisse, mais il n'y a pas qu'Athènes, il y a aussi tous les autres marchés hein, dans le monde. Et là, c'est intéressant à observer ce qui se Oui. passe. Non, bien sûr qu'il n'y a pas que la bourse d'Athènes. On peut dire que l'impact a été général dans la zone euro et même au-delà, tant le pays est au bord du gouffre. Les indices sont composés, c'est la globalisation, les indices sont composés de multinationales qui ne s'intéressent pas à leur pays d'origine et voient bien au-delà des frontières. Oui, alors globalisation, c'est vrai, mais on ne peut quand même pas parler comme il y a peu de temps de mondialisation. Chaque marché retrouve sa vie propre, sa vie personnelle. En effet, c'est nouveau, car ces dernières années, voire ces dernières décennies, la tendance était tirée par les Américains, par Wall Street. Et puis nous, on était dans le sillage. Maintenant, on observe depuis le début de l'année des directions très, très, très dispersées. On va voir sur le graphique, d'ailleurs, qui illustre bien cette dispersion, avec Londres et Paris qui perdent à peu près 5%, qui se situent entre deux extrêmes, à la hausse Francfort et New York, et à la baisse Milan et Madrid. Ce qui prouve bien, je vous coupe, ce qui prouve bien qu'à Paris, l'élection présidentielle qui vient d'avoir lieu n'a pas eu grande incidence puisqu'on est au milieu, dans le fond, du peloton européen. Exactement. Et puis, on est au même niveau que Londres, qui est hors de la zone euro. Et il n'y a plus de zone euro dans les indices boursiers aujourd'hui. À noter aussi que les résultats des sociétés américaines tirent les indices vers les hauts. Sur plus de 90% des sociétés qui composent le Standard & Poor's 500, plus de 67% ont annoncé des résultats meilleurs que prévus, contre seulement 28% qui ont déçu. C'est plutôt de bon augure.
C'est plutôt de bon augure, mais on constate quand même que maintenant, donc en Europe, on fait vraiment le grand écart avec au plus haut Francfort qui gagne 7% et on a Madrid de l'autre côté qui est en baisse de 24%. Vraiment maintenant, chaque pays a son mot à dire et a son opinion et a ses bases à défendre. Jérôme, Jean-François nous dit que pour l'instant, nous n'avons pas à modifier dans l'urgence nos positions actuelles. Je crois que c'est vrai parce que FCP Montpellier se comporte très bien. Ça semble prouver qu'on a pris la bonne option. Il se comporte de très bien. Mais quelle est la différence maintenant par rapport au CAC 40 sur ce FCP Montpellier? La différence par rapport au CAC 40 depuis le début de l'année est de l'ordre de 15%. De plus 15% par rapport au CAC 40. Le CAC 40 fait moins 4, on va dire, oui. Et le fonds fait plus 11%. Là aussi, donc, c'est le grand écart entre FCP Montpellier et le CAC 40. Tout à fait. Le grand écart dans le bon sens pour FCP Montpellier. Et c'est également le grand écart par rapport à la date de création, presque 2 ans. Alors, c'est vrai que le côté peut-être un peu négatif, c'est qu'on est en hausse que de 5%. Bah oui, mais on va voir la situation. Cela dit, le CAC 40, lui, est en baisse de presque 15% depuis le lancement du fonds. Donc on aurait une surperformance sur le CAC 40 de 20% depuis la création du fonds. Et je vous rappelle que notre fonds FCP Montpellier aura 2 ans le 27 mai, exactement. Le 27 de ce mois-ci. Notre stratégie, donc, était la bonne, hein, il n'y a pas à tortiller. Surtout, je dirais, depuis quelques semaines, hein, puisque, en fait, nous avions pris l'initiative de réduire notre exposition. Donc, en date d'aujourd'hui, nous sommes investis à 88%. Mmh. Et en plus, comme je l'ai déjà dit au cours de ces enregistrements, nous avons une assurance qui nous couvre sur 25% du portefeuille et donc qui nous permet de résister. Le fonds est pratiquement dans les tout premiers de sa catégorie, hein, par rapport aux autres SICAV, oui, ou fonds communs de placement. Cette assurance nous amène à payer une prime, comme toute assurance, il y a une prime à payer. Néanmoins, vu la situation du CAC, on l'a bien récupéré, hein, cette prime. Exactement. Quand on a investi 0,8, en date d'aujourd'hui, nous avons pratiquement presque 2,5% de la valeur du fonds. Oui. Donc ça fait 1,7% de plus, de gain. Ça explique partiellement la formidable surperformance de FCP Montpellier. Tout le reste venant quand même du stock picking les gérants ont réalisé avec beaucoup de bonheur. Est-ce que vous voyez des gros changements à venir? Alors, donc, on a quand même bougé, hein, au cours de ces 15 derniers jours. Nous avons pris notre bénéfice sur Ingenico, qui avait, dans la monétique, qui avait fortement monté. Nous avons vendu également AXA après le détachement du dividende, oui. Et en relation avec peut-être l'incertitude de la Grèce. Par contre, nous avons racheté deux valeurs peut-être un petit peu plus défensives. Tout d'abord, Danone, elle revient dans le portefeuille. Oui. Donc, c'est, comme chacun sait, le leader mondial des produits lactés. On l'avait déjà eu. Hein. On l'avait déjà eu. On l'avait vendu très bien et on revient dessus pour avoir un côté un peu plus défensif au portefeuille. Et autre valeur qui a fait son apparition dans le portefeuille, c'est Swatch. C'est le leader mondial des montres suisses, de fabrication de montres suisses. Et donc, cette société devrait profiter de l'essor des marchés asiatiques où la société a déjà plus de 55% de son chiffre d'affaires. Dernier point que nous avons fait, nous avons renforcé Sanofi, toujours dans le défensif. Nous avons renforcé également EADS dans le domaine de l'aéronautique qui a publié un chiffre d'affaires tout à fait presque exceptionnel, bien au-dessus des attentes. Donc, malgré un contexte on ne peut plus désagréable, malheureusement, FCP Montpellier tire remarquablement son épingle du jeu. Je vous rappelle que lors de notre prochain rendez-vous, dans 15 jours, tout à fait à la fin du mois, eh bien, nous fêterons le 2e anniversaire de FCP Montpellier. J'espère que nous aurons encore de bonnes nouvelles à vous donner. Messieurs, je vous remercie.